J'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Ça, c'est accéléré, ça? Voilà, c'est bon, c'est ça. Jordi Alba ou Alphonso Davies? Ah, culture de l'instant, tu dirais Davis, mais Alba aussi, c'est un bon latéral. Mais je suis un footix, donc je vais dire Davis. Camara ou Camaro? Ne Camara, quand même. Camaro, tu connais? Bah oui, je connais le chanteur. Donne-moi ton cœur, babe. Faut vous surprendre, les gars. En tant que joueur de foot, on sait très bien que la loi d'un match n'est pas la loi de l'autre match, donc on se doit de parler entre nous, d'avoir une... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais sérieux, il en dit rien. Tiens, et toi tu les laisses passer, faudrait que tu fasses un barrage. C'est moi qui lui ai dit non, au moment. Non, j'allais dans ma chambre, qu'est-ce que tu fais? Là, on voit des images, je dois parler. Je reprends du début ou non? Eh Pierre, tu vois, tu casses tout, merde. Si quelqu'un me dit qu'il y a faute là, eh ben, moi je comprends plus rien au foot. Enfin, je sais pas, mais j'étais en première ligue et ce genre de faute, ben, ça siffle pas. Par contre, il y a tout le stade qui se lève. Ouais, je suis surpris qu'il n'ait pas mis jaune l'arbitre. Je connais bien, puisqu'on a passé des années en sélection ensemble. Voilà, c'était. J'avais pas joué titulaire au match aller, donc. On n'avait pas beaucoup parlé, mais là c'était plutôt cordial avec lui, c'était sympa. On s'est un petit peu chambré sur le. Apparemment, j'ai entendu qu'il gagnait pas un toss, et il l'a gagné cette fois-ci. Bon, je préfère perdre le toss et gagner le match. Il faut juste se remettre et travailler au mieux pour faire un bon match le week-end qui arrive. T'as aimé ça? Oh là là, quel Into Emery, this is well worked. And Doi deflected and in. Breakthrough for Switzerland, a hugely painful blow for England. Well, you may well argue they've had the better chances during the course of the game and the lead is deserved. But Aaron Ramsdale beaten by a wicked deflection. Favourite in support, but Akodi may use him as a decoy. It was blocked inside the penalty area. And it's a... Pavel Maslov, who has been penalized once again. Og mulighed for at bringe Danmark foran med 1-0. Kasper Dolberg til bolden her. Og sætter den sikkert 1-0 til Danmark. Og man vil meget, meget gerne have Kasper Dolberg på tavlen. Selvfølgelig, det hørte vi også. Til Sjøne i første omgang, så kommer der så et indlæg. Og den bliver hættet ind. Kasper Dolberg, han skal lige op og hænge lidt der. Og så skal han... De Ninon, une petite fille de 3 ans et demi qui a besoin de l'aide de tout le monde. Ninon, elle a 3 ans et demi et elle est née avec une seule oreille. On a découvert que deux chirurgiens aux États-Unis pouvaient lui permettre de retrouver une oreille esthétique et à la fois fonctionnelle, mais l'opération coûte très cher et nous avons besoin de recueillir 90 000 euros pour pouvoir financer cette opération et réaliser le rêve de Ninon d'avoir deux oreilles. Pour aider Ninon donc à réaliser son rêve, une grande tombola qui va être organisée avec Football Solidarity et on les salue pour un énorme travail autour de Ninon. Une grande tombola donc et un grand merci à Nice bien sûr, à Pierre Lesmelou. Son maillot il est là, il a été signé. Les Niçois me l'ont envoyé, on va bien sûr vous le faire parvenir. Dédicacé, les crampons sont là avec encore la terre portée par Pierre Lesmelou contre Metz. Ouais. Et c'est vrai, en plus pour le coup ils sont là. Est-ce que des fois, quand t'es un joueur jeune, justement, et que t'échanges avec les coachs, ça, des fois, il n'y en a pas qui peuvent le prendre comme une remise en question de l'autorité ou... Non, non, après, moi, j'échange dans le respect. Oui, bien sûr, non, pas... même, tu vois, si toi, tu le fais naturellement... Vous dites n'importe quoi, c'est moi qui ai raison. Au contraire, ouais. C'est même lui qui a raison et moi qui dis n'importe quoi. Mmh. J'apprends juste... C'est des choses aussi importantes. D'un point de vue tactique, parler avec le coach, on apprend tous les jours, en fait, au final. Il y a des joueurs de Barcelone qui t'ont vraiment appris des choses par contre. Ça pourrait se faire dans ce sens-là ou
ou finalement ça il n'y a pas trop de conseils. Il me donnait des petits conseils. Après je parlais énormément avec Clément. Clément l'anglais, vous voyez, parce que j'aime trop sa personne et le footballeur aussi, je kiffe grave. Moi j'aime bien les prises de risque et relancer propre. C'est quelque chose que moi j'apprécie énormément. Je pense que c'est ce qui fait la beauté du football aujourd'hui. D'ailleurs, moi j'ai toujours été un fan de Barcelone. Barcelone, ça relance propre tous les jours, dans n'importe quelle situation. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que j'ai ce truc-là, en fait, de toujours vouloir relancer propre le beau football, on va dire entre guillemets. Après, bien sûr, des fois, faut péter devant. Restures du cœur, tout d'abord, comme on le sait, ils sont en partenariat avec le club. C'est une action que j'avais à cœur de faire pendant ma convalescence. Aujourd'hui, on a fait des paniers repas pour les personnes. J'ai eu la chance de discuter avec le personnel aussi. Ça m'a fait beaucoup plaisir de connaître aussi un peu leur histoire. Ensuite, j'ai eu la chance de signer des autographes pour les enfants, passer du temps un peu avec les enfants. Il y en avait des timides, donc c'était un peu plus compliqué, mais c'était cool, c'est vraiment une belle journée. Les bénévoles sont absolument ravis et ils sont très contents de voir qu'effectivement un joueur de foot s'intéresse à ce qu'ils font. J'ai toujours parlé moi dans un vestiaire, sur le terrain en tant que joueur, je l'ai toujours fait. Et aujourd'hui, j'ai pas changé. Après, je peux le faire peut-être différemment parce que ben, là, je vais pas dans le vestiaire. Ça me plaît pas d'aller dans leur vestiaire. Pour moi, c'est chez eux. Moi, j'ai même pas qu'on vienne chez moi, donc je veux pas aller chez eux. Quand on est ici, voilà, on sait qu'on est dans un club avec un état d'esprit, une histoire et différente des autres. Et il faut absolument s'identifier parce que nos supporters sont très attachés à ça. On ne nous a jamais reproché des défaites. Souvent, quand il y a eu des problèmes, ce qu'on nous a reproché, c'est l'état d'esprit. Et nous, aujourd'hui, on est un peu les garants de cet état d'esprit et on s'attache à le transmettre au quotidien. C'est encore quelqu'un qui comprend cette mentalité jeune, qui comprend ce qu'un joueur de foot traverse à chaque moment, que ce soit dans les moments difficiles, dans les moments mieux. Donc je pense qu'il aide vraiment le staff et le coach dans ça. Et voilà, il est proche des joueurs, il dit les choses totalement honnêtement. C'est quelqu'un de franc. Il est impliqué dans le club, donc c'est vraiment bien qu'on l'ait et on a une bonne relation. Si on veut garder cette confiance et espérer aller de l'avant, il faut aller à Nantes et prendre des points. Sinon, eh ben, on va pas dire que c'est un coup d'épée dans l'eau. Les 3 points, on ne les reprendra pas de Marseille. Mais ils ne seront pas aussi importants que si on arrive encore à faire un résultat positif à Nantes. Il faut engranger des points, il faut être compétiteur et essayer de finir le plus haut possible. Touche les chaussures. Touche les chaussures. Touche. Toca. Ouais, bien joué, Bambou. Ouais, bien joué. Touché. C'est un programme qu'on a monté il y a 8 ans, je crois, avec en partenariat avec le CCAS. On fait une multitude d'actions sur le terrain, que ce soit des marottes, des repas, des rencontres. Et évidemment, cette année, comme vous pouvez l'imaginer, c'est beaucoup plus compliqué d'organiser ces actions. Donc on essaye de s'adapter. On est tout le temps en train de solliciter les organismes pour nous proposer nos services, nos humbles services, parce que les joueurs sont aussi en demande. Chaque joueur donc est parrain d'une cause. Il n'est pas choisi au hasard. C'est-à-dire qu'on va discuter avec eux, on va voir ce qui les sensibilise, ce qui les touche, parce qu'on veut pas faire de la com, surtout sur ces sujets-là. Donc on veut que le joueur soit complètement, de par son histoire personnelle ou par ce qui le sensibilise, complètement impliqué et de façon complètement authentique. Et là, pour... oui, évidemment, c'est un échange avec les joueurs avant de les mettre sur une cause. Et pour Pâques, là, vous avez prévu quelque chose ?
Oui, pour Pâques, bon, ben, c'est... Comme je vous dis, on parle pas trop de tout ce qu'on fait, mais là, on est en train, voilà, d'essayer de travailler avec les Restos du Cœur pour que tous les enfants aient les chocolats. Le ballon dans la profondeur pour Alexis Claude Maurice. Le centre vers Guendouzi et l'ouverture du score. 17e minute de jeu. Matteo Guendouzi qui permet aux Bleus d'avoir un pied en quart de finale de l'Euro. Un bon travail sur le côté avec un redoublement de passe. La meilleure anecdote sur Anne-Laure Bonnet, c'est qu'à chaque fois je balance. Hein. On a reçu Dante, le défenseur niçois, lors d'une émission. Et je crois qu'elle est tombée sous son charme. Et à partir de ce moment-là, toutes les semaines, tous les dimanches, elle avait un petit mot pour Dante. Elle, je sais pas, c'était toujours. Elle arrivait à le placer, c'est-à-dire qu'on faisait un débat sur Bordeaux-Montpellier, rien à voir. Elle était capable de dire ah oui, un peu comme le rôle de Dante à Nice. Tu vois, elle te plaçait Dante dans toutes les discussions. Et je trouvais ça génial. Heureusement que j'ai un droit de réponse à ça. Oui, c'est vrai, Paul de Saint-Cernin, à chaque fois, je plaçais Dante dans l'émission. Mais, en fait, c'était un peu une private joke, qui donc va plus être privée du tout, avec Eric Huette, qui était mon voisin de bureau. Eric Huette, le commentateur de Téléfoot. Et c'était un petit peu un défi. Et le but du jeu, pour l'énerver, il est monégasque, enfin il aime beaucoup Monaco, Eric Huette, et pour l'énerver, donc je lui parlais toujours du niçois Dante. Difficulté, coach. Mais non. 3. Gestion des émotions. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. T'as un deuxième. Ouais, bien joué ton ballon. Super, Andy. Non. Bien joué, t'as ton geste. Bien joué, l'infini. Fini. Yes! C'est deux. On avance. Oui! Oh, c'est pas mérité. Il te manque pas grand chose, Cardi. Bienvenue, Rony. Oui! Ouais, Cardi, je vais lancer. Voilà, il a lancé, ça y est. C'est toujours la première fois, la future. Oh là 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 là. Après, bien. Ça vient tout seul. C'est gonflé, c'est gonflé. 3, Yann. Ouais, il tente. Il une classe comme il dit. Hey, vous recevoir le courrier. J'ai mis une carrosse. Ça, là, c'est... Ah, tu sais, vous allez recevoir. Carrosse, mais... J'espère, le attends, attends, il s'est trompé. Il s'est trompé. Il s'est trompé là-bas. Coupe. Oh, il s'est trompé, il a mis carrosse, Nice, c'est fait... Laurent Duvar. Il a marqué trois trucs. Je crois que j'ai fait carrosse, Nice. Est-ce qu'il se revoit? J'étais à côté d'un élément perturbateur qui s'appelle Johan Cardinal. Qui m'a perturbé pendant mon travail. Donc, les enfants, si j'ai mal écrit vos adresses, excusez-moi.
Non, j'ai trouvé le truc, j'ai trouvé son paquet. J'ai trouvé son paquet. Merde. Il fallait Nezreddine, j'ai pas fait exprès. C'est un travail d'équipe. Et puis, encore une fois, on le fait dans la joie, du coup, on le fait avec plaisir. Ça nous fait très plaisir de pouvoir faire ce genre d'opération pour les enfants. On sait qu'ils vont être contents, donc nous aussi, ça nous fait plaisir et on le fait avec beaucoup de joie et de plaisir. Moi, je vais leur donner du chocolat, mais il faut que je goûte aussi le chocolat. Donc, je partage et en même temps, je goûte. Parce que si c'est pas bon, je peux pas leur envoyer du chocolat de mauvaise qualité. Donc, j'ai dû goûter le produit d'abord. Tout le chocolat est au mot. Qualité. Tout le monde veut les chocolats de mes filles, wesh. Il fallait envoyer le plus d'enveloppes possible en un minimum de temps. Donc, on a réussi à mettre tout ce qu'on voulait à l'intérieur. On l'a fait avec amour. Et donc, ça a été objectif atteint. Non, ça nous permet d'entretenir nos liens. L'année dernière, j'ai eu la chance de les voir à notre arrivée au stade. Ils étaient là, ils nous encourageaient tous les week-ends. Donc maintenant, c'est à nous de les rendre heureux avec, comme je l'ai dit, ces petites enveloppes qui contiennent du chocolat. Ça fait plus d'un an qu'on ne peut plus les voir et qu'ils ne peuvent plus nous voir non plus. Donc c'est quand même important de garder un lien d'approche ou de proximité. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est très important pour nous, pour le club et aussi pour eux. Voir les enfants heureux, c'est toujours une belle chose, surtout en ces moments difficiles. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Il me demande si ça va bien. Je leur réponds que ça va grave. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent les uns. J'irai chercher ton âme. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Oh là 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 là. En fait, on s'est juste dit que malheureusement, vu comment les choses se profilent, on n'allait peut-être pas se retrouver cette saison. Et c'était tout à fait normal pour les supporters qui traversent aussi une période très difficile, économiquement aussi, de pouvoir avoir le foie d'être remboursé immédiatement de tout ce qui a été prélevé par le club. C'est à chaque match un désolement, on ne s'y habitue pas. Comme je dis une fois ou deux, le Covid, il vous prive du goût et de l'odeur, mais nous, c'est pareil. Le foot sans les supporters, c'est complètement sans saveur. C'est pas pour ça qu'on aime le foot. Hein. Vous et moi, je pense qu'on est allé dans un stade de foot gamin. Et sans public, on ne serait pas là aujourd'hui à parler ballon. Titulariser son président cet après-midi quand on voit la qualité des jongles de Jean-Pierre River, regardez. Hop, ça passe, hein, franchement. Le même état d'esprit que ces derniers matchs. Hein. On a la possibilité de vivre une belle fin de saison, les gars. Mieux que ce qu'on espérait il y a 3 mois. On gâche pas tout aujourd'hui. Même en ville, même impact, même mentalité que quand Marseille. Après, il se passera ce qui se passera. On va leur montrer qu'aujourd'hui, on est là. On leur montre qu'ils vont prendre des coups. On est prêts. On va presser, qu'on va aller les chercher. Allez, les gars, de suite, on va remettre le feu, les gars. Allez, les gars, tout de suite, allez.
on est méchant aujourd'hui. On leur met 3 points et on se casse ici. A chaque fois qu'on a la tête d'être l'occasion de se relever, on se chie dessus. Donc aujourd'hui, les gars, rien pour eux. Mais quand on a la balle, on la conserve, on se précipite pas, on prend le temps. Quand on la perd, on fond tous à fond. Et les gars, aujourd'hui, regardez qu'on a l'entraînement, qu'on peut prendre du plaisir. Parce qu'on gagne des matchs. Mais si on gagne pas des matchs, on va sortir d'ici et on va se faire chier à la semaine. Donc venez les gars, on prend les 3 points tranquillement et on rentre chez nous. C'est bon les gars ? Allez ! On a fait un très bon début de match. Avec Casper qui a réussi à mettre deux buts assez tôt. Et Amine qui est sur le côté gauche, qui me fait la passe. Je percute un peu, je fais un crochet. Le joueur a laissé traîner sa jambe et je suis tombé. Et heureusement pour l'équipe, l'arbitre a sifflé penalty. It's always nice to score, but honestly, you know, it means a lot to me. It's been a while now, so it feels very good. And I think after the operation, I've been very focused and very eager to score. And it was, for me, it was just a matter of time now. And finally today, I got it over the line. Ça dépend des matchs. Ça dépend des matchs. Normalement, je les prépare avec mes coéquipiers, on essaie de faire des petites danses, des trucs comme ça, mais après, ça sort comme ça sort. Et là, pour dimanche, vous avez préparé la guerre ? Non, je ne vais pas vous dire. Je peux pas vous dire. Ouais, là, on a travaillé, c'était minimum tuba, bah. Minimum tri, tri, tri. C'est un rappeur qui dit ça dans un son qui est sorti il n'y a pas longtemps, et donc on l'a repris et on l'a mis à notre sauce pour dire minimum 3 points. Voilà. Bien joué. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Tout content pour lui, parce que le sourire il l'avait, et puis ben là il a réussi à le traduire dans les faits. Toute l'équipe, nous tous, on est content pour lui. J'espère qu'on a retrouvé le grand Casper qu'on connaît, et que maintenant il est sur la bonne voie. Je suis très content pour lui parce que il fait du travail dans l'ombre, on lui met les faux ballons, il se bat pour les garder. Donc voilà, le fait de marquer, ça, c'est une petite récompense pour lui. Ça faisait longtemps, on sait qu'il a passé une saison difficile. Donc ça fait du bien à l'équipe et à lui aussi. Et franchement, c'est une très bonne chose. Il repousse les ballons. Il fait des fautes de main de temps en temps. Voilà, regardez la zone où vous devez être, où il repousse plus spécialement les ballons. Voilà. Là, il ne va pas y avoir but, mais sur celui d'après, lui, il va marquer. Voilà, suivez bien. Toujours avec la zone. To be honest, you know, it happened so fast, you know, so it's hard to tell if that was it, but like this split second after, that was what was on my mind, that, you know, what Nico said. Maybe it's in the back of my mind when it happens, but it's hard to tell. Encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des tours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à quatre temps. Hop. Bravo les gars, c'était dur, mais elle est bonne celle-là. Bien. C'est bien les gars.
On peut pas toujours être gauche. Voilà, c'est comme ça les gars. Je l'ai vu, c'est bien. On s'en bat les couilles. On peut pas. Minimum tu baba. Voilà, je sais. On peut pas toujours être gauche. On s'en bat les couilles. Minimum right on, man.